21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Salut les chéris, vous allez bien? Moi ça va très bien. Le soir quand je m'ennuie, vous savez ce que je fais? J'écoute le pop 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 le show. Mais si tu pouvais il avait diminué sa volonté et sa virilité. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il savait qu'il devait lui laisser voilà. L'initiative. Donc, c'est horrible. On va commencer le polo show. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, aux nouveaux venus, puisque je sais qu'il y a des nouveaux auditeurs qui arrivent tous les jours. Ouais. Je suis ravi que tu le saches. Bah ouais, je le sais, mais j'ai un suivi. On commence avec le plâtré dans le polo show. Allô le plâtré? Oui, je suis là, polo. Excuse-moi, tu peux m'aider, s'il te plaît? Non, je peux rien faire pour toi. Le mec à Cannes. Ouais, polo. Ouais, le mec. Ouais, salut mec, comment vas-tu? Bien et toi mec? Ouais, vous croyez que quoi? Eh, polo mec, tu sais quoi? Je t'écoute. Il y a des 4 par 3 avec ta gueule à Cannes. Sérieux? Ouais, sans déconner, il y a marqué polo, ouais. Polo show. Ah, c'est bon ça, j'arrive, de toute façon je viens demain. Attends, polo? Ouais. Il y a marqué polo, du polo show, l'émission juste derrière les grilles Michael. Non. Ouais mec, ça, c'est la star de Cannes. Ça c'est fort, le meuf. La meuf qui a un blocage sexuel. Polo. Polo. Ouais, je t'écoute. Ouais, je suis bloqué du cul là. Et si t'arrives? Bah, il faudrait que tu débloques. Juste un truc, t'es pas une femme. Pardon, Polo. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Oui, je. En fait, il y a un chat qui est bloqué. Bon, on va te la débloquer. On va te la débloquer, calme-toi. Le mec arnaqué dans le polo show. Vous avez un nouveau message. Allez, casse-toi. Le prof d'histoire dans le polo show, le grand retour. Monsieur Polo, bonsoir. Bonjour, monsieur le prof d'histoire. Comment allez-vous? Il va très bien. Avez-vous retenu la leçon de Démocrite hier soir? Oui, il se masturbait en place publique. Bien, aujourd'hui, nous allons voir Socrate. D'accord. J'avais des pratiques masturbatoires un petit peu bizarres. D'accord. Les connaissez-vous? Non, mais on va en parler dans quelques instants. Bien sûr, je voulais. À aucun moment, j'ai pensé à l'agence en cytose. C'est dur à dire, mais je m'étais habitué. C'est simplement ma vie qui était devenue comme ça. Molle. Pas seulement ma vie d'ailleurs. La vie en général, ça me semblait normal. La vie est molle, je suis mou. Je me disais, bah, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Il m'a fallu presque 2 ans pour comprendre que j'étais malade. La jansensitose est une maladie qui touche plus d'une personne en Europe. Pour en connaître les symptômes et les traitements, demandez le guide gratuit au 0800 70 42 48. Ou au 0800 87 800. 2 500 € par mois avec un poste plus que fixe. Parlez-en à votre médecin traitant. C'était un message de LESI et du comité de soutien des victimes de jansens. It's El Presidente on NRG. You're listening to Polo Show. De minuit 13 à minuit 15. Polo. This is Polo Show. Et sur NRG. Retour dans le polo show, bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. On reprend le polo show avec le plâtré. Ça me perturbe cette fille qui est en train de se faire pénétrer là derrière moi. Le plâtré dans le polo show. Mais polo, ça gratte. En plus, il y a un billet de sang qui est entré sous le plâtre. Je comprends pas ce que... Arrête, il faut que t'apprennes à parler. Mais ça gratte, polo. Non mais on comprend pas, tu dis ça gratte pour le moment. Ça gratte. Alors va apprendre à parler, tu reviens dans quelques instants. Le mec de Cannes. Ouais, polo. Ouais, je t'écoute. Ouais, Polo, vas-y, continue là. Je pense que tu la tiens bien là, vas-y. Polo, lève-lui la jambe là. C'est ce que je suis en train de faire. La meuf qui a un blocage sexuel dans le polo show. Polo. Oui. Polo. Oui. J'aimerais bien lui faire troncher comme derrière toi. Comme qui? La meuf derrière toi. Bah viens, c'est perturbant. Vas-y. La meuf derrière moi, c'est Sandrine. Hein. C'est horrible. Moi je dis ça après. Le prof d'histoire. Oui monsieur Polo. Vous écoute. Oui donc voilà, donc comme vous le saviez, donc Socrate est un disciple de Platon. Bien, je vois que vous suivez mes cours avec attention et ça me fait plaisir. Alors voilà, donc aujourd'hui je vais vous apprendre donc que Socrate aimait communier avec la terre, et donc pour communier pleinement avec la terre, que faisait-il? On saura ça dans quelques instants. Le plâtré. Oui Polo. Oui. J'ai une pièce de 500 dans la. Mec, c'est insupportable, je te raccroche au nez. Je suis désolé, là j'avoue, c'est moi, c'est pas un problème technique, mais c'est insupportable. Le mec de Cannes. Ouais, Polo. On y va. Ouais, tu viens de finir là? Non, oui, j'ai fini. Tu sais qu'il paraît qu'il y a un mec dans l'avion ce matin qui a eu des petits problèmes. Ah ouais? Il s'est chié dessus. Paraît-il, hein. C'est une information sans interdit. Il vous emmerde ce mec. C'est vrai? Ouais, ce mec-là, il vous emmerde. Ok, les gars. Ok. Hey. Oui, je t'écoute. Ouais, alors juste pour te faire un petit aperçu, ton arrivée là. Ouais. Elle se fait quand sur Cannes? Parce que le yacht est là, tout est en place, mec. J'arrive, je viens profiter. Eh, mec. Oui, je t'écoute. Toute la bourgeoise, elle t'attend là. Ça, c'est bon. Je peux dire qu'elles sont toutes là, mec. Elle dit, il est où le barbu? Je suis plus barbu.
Ah bah il est où chevelu? Je suis plus chevelu. Il est où les poils de cul? Enfin, j'ai plus de poils de cul sur la tête. Bon bah alors merde, bah, va te faire foutre, t'es ta gueule de merde. Ouais j'y vais. La meuf qui a un blocage sexuel. Oui, tu veux pas débloquer. Vite. Tu veux pas débloquer. Hop, ça y est, je t'ai débloqué. Le prof d'histoire. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Le prof d'histoire dans le polo show. Voilà, donc je termine. Donc on y va. Il faisait un petit trou où il insérait son sexe. Ce qui est normal. Il se faisait jouir. Oui. Une fois qu'il avait joué, il rebouchait le trou afin que sa semence soit, comment dire, enfermée dans la terre et qu'elle reste en communion avec la terre. C'est magnifique. Je vous remercie. Au revoir, bonne soirée, monsieur. Et à bientôt pour un prochain cours d'histoire. Merci, monsieur le prof d'histoire. Le mec de Cannes. Ouais, polo. On y va. Eh, polo. Ouais, je t'écoute. Tu sais quoi, Polo, je viens de me finir en t'écoutant. C'est génial. C'est génial. C'est ça, mec, les draps, ils s'en souviennent. Et il faut s'essuyer. Ouais, bah, sur ton cul. Bah, ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Mais on y va, si s'achève le polo show. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs, dès 20h, sur Énergie.